Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de GTA Online dans lequel nous allons donc faire cette mission siège éjectable numéro 4. Je ne sais pas du tout ce que c'est, cependant nous allons la faire ensemble chers amis et espérer que cela se passe bien. Hop. Je me suis dit qu'après une mission de pilotage on va peut-être tenter autre chose que de la balade. Bon, on se barre dans une mission, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Les défenseurs doivent survivre à un siège de 4 minutes dans le parking de Pillbox Hill. Ils ne doivent pas quitter les lieux mais disposent d'un arsenal d'armes puissantes pour tenir le choc. Les attaquants doivent essayer de les éliminer en utilisant uniquement des fusils à canoncier. Ils possèdent un nombre de vies illimité. Autrement dit, il faudra tirer de loin si nous sommes donc parmi ceux qui tiennent le siège et de près si nous sommes parmi ceux qui avaient été expulsés de l'activité. Ben voilà comment on commence un épisode, chers amis. Bienvenue. J'ai une demande d'amis reçue, je ne comprends pas qui donc m'a fait ça. Social. Juste attends, Game, je sais pas ce que c'est. Si tu le veux. Je ne sais pas qui tu es. Bon, on va prendre cette voiture là, tant pis hein. Et on va se trouver autre chose à faire. Allons faire ça. Pour voir. Gérald me propose une quête, on va faire la quête. Alors forcément, oui, je commence avec. Crac, crac. Public, privé, public. Invitation, tout l'heure de la session actuelle. Crac, voilà. Alors malheureusement, les gens, quand ils voient le symbole manette, souvent... ça part en 7. Alors voilà, mon pote Stanley est allé vendre de la cam à Vagos à Rancho, mais j'ai un mauvais pressentiment. C'est qu'on essaie de leur refourguer de la dope alors qu'on leur a volé, tu vois. Et d'après ce qu'on m'a dit, il contrôle tout le quartier. Ça me rassurait, c'est allé surveiller le deal, protège mon pote et récupère la marchandise, ça tourne mal. Pourquoi pas. Allons lancer des invitations auto. C'est parti. Bon bah alors. Eh B, c'est violent. On trouve personne. Parce que dans ce cas-là, je vais la jouer tout seul. Il me semble qu'on peut la jouer tout seul. Eh ben, on y va tout seul. Oui. Oui, j'ai pas peur. Je vais crever, mais j'ai pas peur. No, hey, Bronca. On a 2 km, mais dans la mauvaise direction. Donc je vous rappelle que vous devez participer à cette aventure, chers amis, je vous invite, si vous avez le jeu, à vous présenter dans le groupe Steam et à me contacter directement via le chat si vous le souhaitez, pour participer, ou à m'ajouter directement dans le jeu, pour participer à des sessions de tournage. Si possible, des gens donc, avec de bonnes capacités de combat, capables de m'aider à gagner de l'argent, à faire des choses stylées. J'aimerais être le pilote d'une équipe. Donc voilà. N'hésitez pas à vous présenter et à venir participer à cette aventure avec moi. C'est le principe des jeux online auxquels je joue, c'est que vous puissiez me rejoindre. What? What? Mais je me suis fait tuer par qui? Qui m'a tué? Je suis derrière le mur. C'est ce début de partie, nom de Dieu. Comme je déteste ça.
Non, c'est un gentil. Lui. Non, c'est pas un gentil. J'ai vu quelque chose, mais dommage que je vais mourir. Vite. Parfait. Allo, bravo. Explose. Putain, elle explose, ça y est. Mais il apparaît même pas sur la map! Mais non, chers amis! En plus, je l'ai fait à la manette parce que j'étais complètement stressé! Ça ne se passera pas comme ça! Non, me dis pas que vous m'en sortez automatiquement sans me proposer. Ah. Bon. Bah, aléatoire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis vexé. En fait, je me fie trop à ce que le jeu me montre et du coup, je devrais plutôt être en... Ah, c'est bête, c'est dommage, je joue mal. J'ai mal joué. Bon, de toute façon, je suis pas chaud, je suis à froid. On verra bien par la suite. J'ai même pas lancé de timer. Voilà, 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 c'est parti. Vamos a la playa. Alors, qu'est-ce que c'est? Death Metal. Bon bah ça a l'air cool quand même. Alors est-ce qu'il faut qu'on s'y rende? Est-ce qu'il faut pas? Lancement de la session. Ok. Parfait. Alors. Pas de voiture. Apparemment Chester a l'air de savoir ce qu'il fait. Tu pilotes, et moi je baisse ma culotte. Allez, monte! Oh nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai peur quand il pilote comme ça, les gens! Par contre, la vue intérieure est bien. Oh, et donc le parfum qu'il a, je vous raconte pas, les gens. Il sent super bon ce bonhomme. D'accord, faut pas changer d'arme. Pas d'accident. Jusque là, il n'y a pas de problème. Rien à dire. Oh là là. J'ai eu peur, j'avoue. Là aussi. Là aussi. Ok. Ok, il est là. Tu meurs. Lui aussi. Bah, il est arrivé finalement. Ok. Là voilà. Hop, vous avez récupéré. Allez récupérer la coque, c'est bon. Bonne bagnole, bonne bagnole. Bonne bagnole, bonne bagnole.
Ah oh, putain, mais quel abruti, on peut pas l'utiliser. Bon bah lui il est sa bécane toujours. Hop là. Attends. Vas-y, on y va. Et roule, fais pas le con, fais pas le con. Bon, bah ça se passe pas trop mal, chers amis. On est pas tout seul, c'est tout de suite plus facile. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aide à la visée, dans... même à la souris. J'ai du mal à... En fait, j'ai l'impression que la souris est beaucoup plus lente une fois qu'on vise dans le corps d'un homme. C'est ici, calmos, 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 c'est là. Oui, je sais, j'y vais. Parfait. What you got? All right. Cool. Eh ben, c'est plutôt sympathique tout ça, chers amis. Alors, qu'est-ce que je nous propose d'autre? J'aime. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime Gémeaux. Non, plus jamais. Plus jamais, chers amis. Vendu. Cimenturie. GTA Online, véhicule de braquage. Oui, mais j'ai pas d'argent pour ça. Là, il me faudrait des gens qui soient motivés pour faire un braquage sur ma chaîne. Des gens équipés et motivés. Je veux pas commencer à faire ça avec des inconnus. On sait jamais comment ça peut se terminer. Alors, qu'est-ce que le jeu va nous proposer? Permettez, je bois un coup. Hop, c'est bien. Crac. Ok, pourquoi pas. Munition, protection, on y va. Métivation, j'ai eu vendu une... Ah, il faut qu'on aille chercher la... Ah, c'était pas mal ça. Vous allez voir, on va reconnaître... Vous allez reconnaître, à mon avis, une référence. C'est clairement une référence. Le véhicule dans lequel... Enfin, que nous devons voler, en fait, tout simplement. Hop. Voler le camping-car, voilà, c'est ça. Je monte avec mon ami. T'approches pas trop. Voilà. What the fuck are you doing here? Ok. C'est ce qu'on appelle rentrer dans le vif du sujet. Suivez-moi! Couvrez-moi les potes, couvrez-moi! Pas de train en vue, tant mieux. Du monde droit devant. Oh là là là! Oh! Un misérable caillou! Sauvez-moi les miches! Sauve. What? What the fuck was that? Allons-y. Prenons la spie, chers amis. Dans un véhicule de course. Aïe, aïe, aïe. Non, vous ne m'aurez pas. C'est marrant, son roi-là, ça me dit quelque chose. Je crois que je suis déjà mort dans cette mission et à peu près par ici. Couvrez-moi plutôt que de me doubler. Ah, si, 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 il faut y aller. Doublez-moi, il y aura du monde devant, je crois. Je sais plus, à vrai dire, je ne sais plus. Bien joué. Ça, c'était beau à regarder ce que t'as fait, mon pote. Hein. Hop, on m'envoie encore des textos. Ok. Parfait. Ah, shit, good looking, man. Damn, that shit fucked. Mission réussie, c'est génial quand même ça, chers amis.
soit pour 5000 crédits à peine. Quelques points. Bon, bah ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. J'aime. Ce sera le nom de l'épisode. Tiens, allez, est vendu. Gémeaux. On continue. Et on va prendre encore une aléatoire, je pense. Tout le monde est d'accord. Bon, bah, génial. Génial. Bon, sur quoi on va tomber? C'est là qu'est le plus énigmatique et le plus difficile à anticiper. Voyons voir. Protection légère, hop. Ah bah c'est la même qu'on a fait tout à l'heure, Death Metal, non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais bien qu'il y en ait un qui me laisse piloter. Moi je m'éclate à conduire. Laisse-moi conduire ta moto! Monte! Ah bah merde, c'est déjà là. C'est juste là en fait, on dirait. Madame, cassez-vous. Oh my god. Oh bla. Je me suis pris une balle en pleine tête, je crois. Aïe 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 aïe. C'est ça qu'il me faudrait, c'est des grenades, il faudrait en acheter du coup. Hop, j'aurais même pas joué à la souris, c'est triste que je fasse ça. Récupérer la coke, allez on y va. Je t'emmène mon pote. C'est parti, j'avais pas vu qu'il était derrière. Pa 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 pa. Gros sac. Ça t'apprendra. Los Santos. Alors on fait une dernière fille en aléatoire, chers amis. Et on se laissera là, je pense. Même si ça fait toujours du mal par où ça passe. Hein. Je pense qu'au prochain niveau, on va passer niveau 14. Et je crois que c'est niveau 14 qu'on trouve les Warner de niveau 15. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Toujours. Et c'est parti, on y retourne. Bon, une qu'on n'a pas faite, si possible. Ce serait pas mal. Ah, il me raffiche. Les publicités. Bon. Je me rappelle que notre objectif pour l'instant c'est de trouver un petit appartement sympathique. Si possible un des fameux appartements luxueux hein, pour pouvoir faire nos propres braquages. Une fois le moment venu. Hop. C'est parti. Un travail existant. Bon, il faudra peut-être qu'on se déplace cette fois-ci. Apparemment, THX n'est pas... attend du monde, en fait, tout simplement.
C'est parti. Allez, lance. Ça y est. Lancement de la session. Génial. Génial, génial, génial. Donc faut qu'on se rende. À... Vas-y, en hélico et reste hors de l'espace aérien réglementé. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Une mission de travail de Titan. On commence en plus chez... Voler le Titan. Oh, mais il y en a en slip, quoi, chers amis. Voler le Titan. Je sais pas ce qui s'est lancé, mais je pense que c'est violent. Et le mec, il se la pète. Voilà. Et il a pas de moto. J'aurais aimé une moto. On va prendre celle-là, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Ah bon? 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 Ok! Étoile Cell Tedra! Génial! Merci, l'ami! Tu nous as fait perdre du temps. Allez, sir, Marcus. Il est temps que tu sors. Tu parles. Je préférerais conduire si tu veux bien. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et tu ne veux pas que je monte. J'ai... Très bien. Très bien, c'est très très bien. Tu n'es qu'un sac à merde. Tu crèveras en enfer. Et me retrouve tout seul sur le bord de la route. Sur le bord de la route. Me voilà baisé par les putains d'enculés qui n'ont pas voulu me laisser prendre la route. Dégage de mon chemin. Nous allons partir avec cette première moto. Cette première moto sera très rapide. C'est parti. Let's go. Comme dirait le petit Mario. Je suis paumé. Marche russe, ceci est rouler sur la roue arrière, c'est comme rouler dans du brouillard. Aïe. Celle-là m'a fait très très mal. Jamais plus je ne prendrai de tronc en plein dans le gueule. Oh non, t'es sérieux? J'aurais pu la monter celle-là normalement. Non? Apparemment le jeu ça ne lui plaît pas que je monte les... De là à me bloquer la moto. Il ne faudrait peut-être pas exagérer. La moto ne peut pas être bloquée. Aussi peu. Il semblerait que le jeu ne veut pas me laisser entrer. Par contre, il me laisse faire des cascades bizarres. Et me laisse casser avec ma force physique certaines barrières, mais pas d'autres. FDX a libéré le Titan. Apparemment, il faudrait que je laisse le gens faire ce qu'il veut play, mais il semblerait que j'ai trouvé autre chose pour mieux faire et il me suis loupé. A-t-il décidé de décoller sans moi? Oui, il semblerait. Autrement dit, je vais tenter d'aller directement là-bas avec ma moto. Mon moto. Casse-toi de mon route. Je vais tenter une autre approche. Mais je pense qu'avec le peu de vitesse que j'ai comparé à tout l'avion et le grand nombre de chances que je me suicide,
la partie sera vite terminée. À court de vie, qui s'est fait tuer? Qui a fait quelque chose dans le parti? Pourquoi je suis passé à l'accent russe? Oh, il y a un filtre! Oh! Mais roule, bon Dieu, roule! Allez-vous cesser de passer pour des cons? Que s'est-il passé? La partie serait-elle terminée? N'avons-nous pas vu quelqu'un passer avec le Titan? J'ai hâte de voir ce que va donner l'atterrissage. Weasel News. Le suspect est un criminel. Le suspect semble appartenir au gang Die Ninja Sect. Un travail de Titan. Le débouche toilette, la drogue préférée des gens de Los Santos. Une femme achète une ambulance pour éviter les embouteillages. Le suspect est un criminel connu dans le milieu sous le nom de Orgasmus. Le suspect semble appartenir au gang des Ninja Sect. Le débouche toilette, la drogue préférée des habitants de Los Santos, en live sur Weasel News. Je sens que le atterrissage en piqué n'est jamais la bonne décision. Qu'il est toujours plus facile de d'atterrir une fois qu'on a sorti les trains d'atterrissage. Cependant, l'atterrissage semble avoir plutôt bien été effectué. Voyons le suspect sortir avec son collègue et voyons voir s'ils vont finir la quête ensemble. Apparemment, la mission est réussie, sauf pour les gens qui se sont suicidés. Cependant, le revenu est très important, presque autant que le rang. Le rang est passé du niveau 13 au niveau 14. Le niveau 14. Allez amis, nous allons donc nous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouceveriser la vidéo, le commenter la vidéo, le partager la vidéo. Vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre le groupe Steam Joueur du Lab du Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans le bannière de la chaîne, directement groupe Steam. Et vous pouvez donc rejoindre le groupe pour postuler et participer, si vous le souhaitez, à des épisodes ou à des sessions de tunage. Non, pas des sessions de tunage. Des sessions de tunage. C'est ce que je dis. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous laisse sur la Weasel News. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres épisodes. Salut les gens.